Bonjour et bienvenue dans notre chaîne. Après des années de lutte contre le cancer de côlon, le roi Pelé nous a quittés le 29 décembre 2022. Alors, sans plus tarder, découvrez la grosse fortune du roi Pelé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Et son aunt do nascimento, dit Pelé, né le 23 octobre 1940 à Trecoraço, Brésil, et mort le 29 décembre 2022 à São Paulo, Brésil, est un footballeur international brésilien évoluant au poste d'attaquant et de meneur de jeu du milieu des années 1950 jusqu'en 1977. À l'âge de 82 ans, la légende du football mondial n'est plus et le monde entier serait très curieux de savoir ce qu'il a laissé derrière comme fortune. Le maître des records qui a traversé les temps a bien sûr laissé une fortune à sa femme Marcia Ciblaocchi. Le roi Pelé a laissé à sa femme une fortune dans l'immobilier. L'une des choses pour lesquelles il est célèbre est son patrimoine immobilier. Selon la presse espagnole, la légende a acheté un manoir à New York pour 100 000 $ puis l'a vendu pour 3 millions de $. D'après El Mundo, la fortune actuelle de Pelé est estimée à 100 millions de $, qu'il lègue à sa femme et aux membres de sa famille. A noter que le Parisien Neymar, qui purge une suspension et n'a pas pris part au match de l'ANS PSG, est arrivé au Brésil pour assister aux obsèques du seul triple vainqueur de la Coupe du Monde. Nous sommes à la fin, j'espère que vous avez aimé notre article sur la grosse fortune du roi Pelé. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, et ne rien manquer de nos prochains contenus.